Toute la terre se prosterne devant toi, qu'elle chante pour toi, qu'elle chante un psaume pour ton nom, Dieu Très-Haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite encore une fois à entrer dans sa communion. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, il nous rapproche de lui et en même temps, il nous rapproche des autres. Plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche des autres. Au début de cette rencontre, nous allons encore une fois reconnaître notre finitude, reconnaître nos hésitations, reconnaître nos infidélités et demander pardon au Seigneur pour qu'il vienne nous relever, nous purifier et nous rendre aptes à nous prosterner devant lui et à lui offrir un sacrifice de louange. Tournons-nous donc vers sa miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Donne-nous ta... Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours, jusqu'à Théra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate, et je lui ai fait traverser toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné en possession la montagne de Séir. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous en ai fait sortir. Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères avec des chars et des guerriers jusqu'à la mer des roseaux. Vos pères crièrent alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte. Puis vous avez séjourné longtemps dans le désert. Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre et je les ai livrés entre vos mains.
Vous avez pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël. Ils envoyèrent chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir, et je vous ai sauvé de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre, ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frelons qui ont chassé les deux rois amorites. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs. Éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert. Éternel est son amour. Qui frappa des princes fameux. Éternel est son amour. Et fit périr des rois redoutables. Éternel est son amour. Pour donner leur pays en héritage. Éternel est son amour. En héritage à Israël, son serviteur. Éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs. Éternel est son amour. Alléluia, alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme et dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous les deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui peuvent se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a
qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons commencé le livre de Josué et on sait que Josué a remplacé Moïse. Aujourd'hui, il fait cette rencontre qu'on connaît beaucoup, qui est une belle rencontre, la rencontre à Sichem. Alors, il a rassemblé tout le peuple, tous les anciens et puis tous les chefs. Et voilà qu'il va parler au nom de Dieu. Ce qui est beau dans ce rassemblement en or, j'allais dire, c'est parce que Josué va reprendre toute l'histoire du salut jusque-là. Il va faire un récapitulatif. Donc, pour dire au peuple comment le Seigneur a toujours été fidèle depuis le moment où il a mis son doigt sur Abraham au-delà de l'Euphrate, très loin. Et il a appelé Abraham pour le suivre et s'est déplacé pour le pays de Canaan. Et durant tout le parcours, le Seigneur a toujours été présent, a toujours été généreux, a toujours été au milieu de son peuple. Et voilà que avec le fils de Jacob, quand Israël est devenu tout un peuple, il s'est déplacé et parti en Égypte. De retour en Égypte, eh bien, c'est encore Dieu qui était au devant du peuple. Par plusieurs, n'est-ce pas, prodiges, le Seigneur a changé le cœur de Pharaon et a permis qu'Israël soit libéré. Donc, on peut dire, la vie que nous vivons, nous autres là, ce n'est pas une vie détachée du monde. Notre foi, ce n'est pas une foi déconnectée du monde, déconnectée de la routine de la vie de tous les jours. Notre foi à nous, à la manière de ce que dit Josué, c'est que quand nous faisons un récapitulatif dans notre vie spirituelle, nous pouvons trouver des moments forts où le Seigneur a dévoilé pour nous sa fidélité, sa générosité, sa compassion, où il est venu répondre à nos attentes, où il a répondu à nos prières. Alors tous ces moments-là sont importants pour nourrir notre foi et nous rappeler continuellement que la foi est une vertu en fait qui prend chair, que notre relation avec le Seigneur s'est traduite dans les actes, dans les attitudes, dans les paroles, que ce ne sont pas des choses spéculatives. La fidélité de Dieu prend chair, la fidélité de Dieu se révèle à travers les actes de tous les jours, et Dieu vient nous contacter, vient en communication avec nous à travers les personnes qui nous envoient, à travers les événements, il ne cesse de se révéler en nous. Et quand on fait notre récapitulatif, on ne peut se rendre compte que de son amour, de sa bienveillance et de l'attention qu'il porte à chacun, chacune d'entre nous. Alors voilà pourquoi, comme Église, comme communauté paroissiale et même comme famille chrétienne, nous sommes invités aujourd'hui à rendre grâce au Seigneur pour sa générosité, pour sa sollicitude, pour sa proximité dans nos vies. Regardez, l'Évangile nous parle du mariage, en fait. Ce texte-là, on le lit souvent dans les mariages, ce qui est une bonne chose. Et on nous permet aujourd'hui, en fait, de réfléchir sur l'union de l'homme et de la femme. J'aime beaucoup la manière que le Seigneur renvoie les pharisiens, n'est-ce pas, au texte évangélique, au texte, je veux dire, de la Genèse, quand, en fait, Dieu créa l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il avait en tête? À quoi voulait-il en arriver? Qu'est-ce qu'il désirait? Quelle était sa volonté? Alors, quand on veut comprendre le sens du mariage, il faut revenir au texte de la Genèse qui nous dit justement le désir de Dieu quand il nous a créés homme et femme. Ce qui est important, c'est de voir que le Seigneur crée deux personnes et dans le livre de la Genèse, il est dit, il créa l'être humain. Et l'être humain, ce n'est pas homme, ce n'est pas femme. Il créa l'être humain, il le créa homme et femme, dit le texte. Donc, en fait, nous sommes invités à refléter continuellement cette présence divine à travers
le mâle, à travers la femelle, à tout point de vue, à travers, n'est-ce pas, l'homme et à travers la femme, continuellement. Alors, c'est dans ce sens-là que nous sommes invités, en fait, à approfondir le sens du mariage. Moi, je pense que le mot-clé ici, c'est qu'ils étaient deux, ils sont devenus un. Mais cela, ce n'est pas du jour au lendemain. En fait, dans le mariage, il faut toujours continuer à tendre, à converger, à tendre, à regarder dans la même direction. C'est un entraînement, c'est un exercice, c'est une vie, eh bien, à vivre, à mener, en fait, tout au long de l'existence de mariés. Alors aujourd'hui, nous allons penser aux mariés que nous connaissons pour que leur attachement, pour que leur lien matrimonial soit enraciné dans ce désir de Dieu, le désir de tous les jours que de deux personnes, eh bien, ils deviennent une seule chair, ils deviennent une dans l'amour, dans la compassion, dans l'entraide, dans l'entente continuellement. Et cette grâce-là est une grâce continuelle à demander, n'est-ce pas, pour nos amis, pour les couples que nous connaissons et pour, n'est-ce pas, nous-mêmes, que nous puissions comprendre davantage le sens du mariage. En fait, quand on réfléchit et si on veut aller plus loin, le Seigneur lui-même, dans le livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse se termine avec le mariage entre le Christ lui-même, avec son épouse, avec son Église. C'est encore le thème du mariage, c'est que déjà aujourd'hui, nous sommes invités à entrer en communion avec le Christ maintenant. À la fin de la vie, à la fin de l'histoire, ça sera une union complète. Mais là, alors que nous sommes sur cette terre, nous sommes invités, comme les couples, à tendre, à marcher continuellement, à regarder dans la même direction que notre époux, le Christ, pour que comme communauté, comme famille, nous arrivions toujours à mettre en valeur les textes évangéliques, à mettre en valeur, n'est-ce pas, ce que l'amour que l'Évangile prêche, l'amour que l'Évangile propose, la compassion qui se reflète dans l'Évangile de Dieu, c'est toutes ces valeurs-là que nous sommes invités à mettre en évidence alors que nous vivons maintenant la vie avec le Seigneur et nous essayons de tendre, de regarder dans la même direction. Que l'Eucharistie de ce matin vienne nourrir notre foi, nourrir notre union avec le Christ, que l'Eucharistie de ce matin vienne renforcer, vienne raffermir le lien matrimonial de tous les couples que nous connaissons aujourd'hui et que et le couple et l'Église soient un signe dans ce monde-ci, un signe de l'amour de Dieu, un signe de l'unité du Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est tout ce merveilleux pour le sacrement de l'alliance. Puisse nous traîner à l'unité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous sommes ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que nous soyons sacrifiés en ce jour. Grâce devant toi, lave-nous de notre faute, Seigneur, que la fille de notre péché. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que
dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges et, dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François